Et salut à tous, c'est Megavolt, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Color Cross Online et nous allons faire l'une des grilles qui nous a été proposée, il y en a deux, par Mario Coco et par Barbara Ital, parce que je sais toujours pas comment on dit. Donc on va l'appeler Barbara, ce sera beaucoup plus simple pour les prochaines fois. Alors, rappelez-vous, la dernière fois, je lui avais envoyé une épée. Et nous allons voir à quoi ressemble son Picross du jour. Alors là, je coche, là on est du 15, 7, 8, 9, 8, 7, 7, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8 et 9. Ok, comme ça je peux déjà cocher toutes ces cases. C'est déjà ça de fait. Ensuite, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 6. Là, on a 1. Là, on a 1. On va faire pareil de l'autre côté. Donc là, je n'ai pas besoin de cocher. Hein. Vous savez. On a vite donc 1, 2, 3, 4. Bon, partout, on a 4. On aura ici la même chose. Donc, 1, 2, 3. Pas très pratique de commencer blanc sur fond blanc. 1, 2, 3, 1, 2, 3, et là 1, 2, 3, ok, donc là le 2 ça va là, donc tout ça, youp, c'est vide, le 3 ne peut pas être ici, d'ailleurs tout ça je vais cocher. Ici, moi c'est pas là. Là c'est beaucoup plus logique. Donc le 2 il peut pas être là, donc là c'est le 4, là c'est le 3, le 2 va là, 1 et 2, hop, le 1 est ici, le 2 ne peut pas être là, donc le 3 est ici, pareil pour le 3, hop hop. Donc le 2 ne pouvant pas être ici, le 3 et le 4 se trouvent là, le 2 est là. Ce qui nous fait que là, on a forcément une case et là c'est comme ça. Touc, touc, touc et touc. Voilà, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Le 5, il est obligé d'être là parce que tout ça, tout ce qui est entre ces lignes est... Enfin, le reste est vide. Hop, ici. Youp, youp. Alors, 5, 7. Oh, j'ai un petit peu débordé. On dirait encore une guêpe. Pourquoi tout le monde me fait des guêpes en ce moment? Alors, 2, 4, 5, 4. Des ailes jaunes, ça me paraît un petit peu chelou quand même. 7, 3, 7 et 3. Voilà, comme ça le reste est fait. A, B, E, I, L, L, E, c'est une abeille. Une abeille avec des ailes jaunes. J'ai rarement vu ça. Un petit fond blanc, c'est pas terrible. J'aurais pu éventuellement mettre, je sais pas moi, quelque chose pour indiquer qu'il y a de la verdure. Ou... Effectivement, elle a pas une taille de guêpe parce que c'est une abeille. Donc pour l'absence de fond, je te retire un cœur. Et puis elle a pas de visage, bah, t'aurais pu éventuellement peut-être mettre, je sais pas, des yeux, je sais pas. Puis la couleur, donc hop, ça sera un petit 3. Ne m'en veux pas, Coco. Et je vais t'envoyer une grille. Et ben voilà, une belle petite abeille. Bon, entre temps, Brigitte Chan nous a fait une nouvelle grille. Et ben, ça sera pour la prochaine fois. Et Barbara passera la fois d'après. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Moi, je vous souhaite une très bonne journée. Et je vous dis à très très vite. Prenez soin de vous. Jouez bien. Bye bye. We'll be right back.
Bye.